L'envoyé personnel d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, était en Côte d'Ivoire. L'occasion pour l'ancien ministre de la coopération de Nicolas Sarkozy en 2007 de rencontrer plusieurs acteurs ivoiriens de la culture, des chercheurs et responsables politiques et militaires. Le cœur des discussions portait sur la nouvelle architecture de la base militaire française en Côte d'Ivoire. Le mercredi 21 février, il s'est entretenu pendant près d'une heure avec le président ivoirien, le ministre de la Défense et le président du Conseil national de sécurité il a évoqué le remodelage de la présence militaire française en Côte d'Ivoire. Il y a la dimension euh, présence euh, à travers euh, le 43e Bima euh, à Porboette, c'est un aspect, il y a euh, des dispositifs qui existent euh, face à tout type de situation, c'est un aspect et du soutien pardon à la présence militaire ivoirienne dans la zone nord, les questions de renseignement on ne veut pas euh, réduire ses efforts. Mais c'est une globalité. C'est-à-dire sur certains aspects, il y aura des évolutions. Ici, l'empreinte peut, sur certains aspects, être moindre et plus forte sur d'autres aspects. Et c'est ça qui doit faire l'objet d'un partenariat. La France compte près de 950 militaires au sein des forces françaises en Côte d'Ivoire et près de 10 000 forces en Afrique subsaharienne. Jean-Marie Bocquel avait été nommé le 6 février dernier et présentera son rapport en juillet prochain pour un redéploiement des forces françaises en Afrique.